Vraiment, je vais vous demander pardon. Je vais vraiment vous demander pardon. Attendez, je vais brancher mon micro. Je ne sais même pas s'il y aura quelqu'un en ligne. Je ne sais pas s'il y aura quelqu'un en ligne. Il est très, très, très tard, chers camarades. Je vous demande pardon. Si vous pouvez vous connecter, s'il vous plaît. Connectez-vous, pardonnez, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de faire de vidéos préenregistrées à cause de ce cas-là. Je n'ai pas envie de faire des vidéos préenregistrées, montage, tout ça, ça me fatigue. Je vais faire un direct en même temps. Chers camarades, connectez-vous, pardonnez, connectez-vous. Je viens à peine donc de prendre mon bain, de manger, et puis je suis devant vous encore une fois de plus, chers camarades. Herman le patriote, chers camarades. Chers camarades, mettez assez de cœur pour ceux qui seront en direct, s'il vous plaît. Mettez assez de cœur, chers camarades. Je voudrais m'entretenir un peu avec Débordo. Le débordé. Débordo, le débordé. Ça fait pitié pour ce monsieur. Ça fait pitié. Ce monsieur-là. Ce monsieur-là. Un garçon qui met beaucoup de filtres comme ça. Un garçon. Regardez. Regardez. Est-ce que vous pouvez voir même filtre qu'il a mis dans la vidéo là? Jusqu'à même la voiture est filtrée. La voiture est remplie de filtres. Tiens! Regardez la voiture, il roule maintenant. C'est ça. Quand tu trahis ton peuple. Quand tu trahis ta nation. C'est comme ça Dieu te quitte. C'est comme ça Dieu te quitte. Débordé que vous voyez là, il n'y a pas plus démon que ce monsieur. Ce monsieur que vous voyez là. Et c'est pourquoi Dieu l'a maintenu comme ça. C'est pourquoi jusqu'à présent, il est en train de louer encore. Même la location des maisons le fatigue, parce que c'est cher. Il ne gagne rien. C'est dur sur lui. Chers Africains, pour ceux qui ne le connaissent pas, puisque ce n'est pas... C'est juste une tapette artiste. Artistique, si on peut le dire comme ça. C'est un artiste en Côte d'Ivoire qui était artiste lorsqu'on était encore petit. C'est un vieux. Peut-être même il a dépassé 50 ans. Un vieux même, chers camarades. C'est un artiste depuis on était petit. Ce monsieur-là, il a toujours été du côté négatif concernant l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur-là, il a quémandé. Il a changé sa photo de profil. Je vais aller sur sa page-là. Regardez, depuis, il y a 1 million et quelques. Même le petit qui a commencé tout récemment, là, le petit, là, comment il s'appelle, là, le petit de choses, là, comment il s'appelle, là. C'est pas mon domaine, hein, mais je connais un peu, comme je suis ivoirien, il fait comment. Le petit d'Arafat, là, lui qui Arafat a présenté au monde, là, le petit, là, Chené. Chené qui a commencé tout de suite, la Chené a plus de 2 millions. Attends, je vais voir. C'est pas vraiment mon domaine, mais en politique, il n'y a pas pitié. C'est Ariel Chené, non. Est-ce que son Ariel, là, comment on écrit ça? Parce que je ne suis pas habitué. Regardez, petit, là, 2 800 000. Presque 3 millions. Petit, là, a commencé tout près, là, là. Hein. De Bordeaux, il y a longtemps, on était petit. On partait, là, regarder à la rue Princesse. Petit, comme ça. De Bordeaux, Likoufa, un vieux artiste de Côte d'Ivoire qui n'a jamais décollé. Qui ne sait pas qu'il faut être artiste. Un artiste doit être neutre. C'est pourquoi aujourd'hui l'Afrique ou l'Africain n'a plus de respect pour Alpha Blondie, pour Tiken Dja. Les gens n'ont plus de respect pour eux. Moi, si je vois Alpha Blondie, je vais les dépasser. Mais je me rappelle que mon maître de CM2, c'est moi qui prenais, vous voyez, avant l'école primaire, les cahiers de devoirs, cahiers d'exercices là. C'est moi qui attrapais et puis je partais déposer ça chez monsieur. Et puis monsieur corrigeait. On ne connaissait même pas ce qu'on appelle Abidjan. Je n'avais même pas encore vu ascenseur de ma vie. Et on écoutait Alpha Blondie. Quand je battais, il partait. Voilà, Chani fille pour moi qui est couché là-bas. Là. Chani fille, là, le monsieur avait ça. Quand tu attends même la base, tu es content, c'est comme si tu as réussi. Je partais souvent ma soeur, il courait, il dit, mais il faut rentrer, il dit, attends, il a écouté un peu. Et puis on écoutait les brigadiers Sabari. On écoutait les brigadiers Sabari. Pour
politique est venue désorienter ces gens-là. Lui, au moins, il fait l'effort. Souvent, il fait l'effort, il est en retard, mais il dénonce un peu. Mais débordé, ce monsieur-là, ce débordé mental-là, ce monsieur-là, et puis on dit, il est bêté. Il a changé sa photo de profil. Attends, il a laissé mon petit, le petit frère Ariel chaîner. J'ai venu sur ce monsieur, avec sa tête, regardez l'homme. Désolé, on m'a appelé. Est-ce que vous êtes là? Reconnectez-vous. Oh. Les gens, ils aiment trop appeler les gens. Reconnectez-vous. Est-ce que vous êtes là? Non seulement il est très tard, il n'y a pas assez de personnes en ligne. Vous êtes combien même? Ah, il y a quand même 408 personnes. Mettez assez de cœur, chers camarades. C'est vrai que peut-être que beaucoup ne savent même pas de qui je parle. Oh, vraiment. Non seulement il est très tard. Ils sont en train de mélanger moi. Est-ce que vous me recevez? Écrivez, dites au moins oui, on te reçoit. Parce que là, le nombre de 100, vous êtes maintenant à 346. On était presque à 500 là. Personne ne commente. Depuis que Draman était... On me parle de Draman. Est-ce que vous me recevez d'abord avant de parler de Draman là? Ah, une personne a dit oui. Ok, donc je vais remettre ça. Parce qu'on m'a dit que... y a un message qui s'est affiché. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas d'audio. Parce que l'appel a mélangé tout ça. Vous voyez? Voilà, donc je vais rebrancher... J'ai rebranché mon micro. Vous me recevez? Avec le micro, est-ce que vous me recevez? Chers camarades. Je suis vraiment désolé pour ceux qui ne le connaissent pas, les autres Africains. Mais je pense que la plupart de ceux qui sont abonnés sont ivoiriens, vous le connaissez. Voici sa photo de profil, sa tête dure, là, regardez. Regardez, tu sens même la misère, regardez. Il est sur un podium, hein, regardez, il est sur plate, il est sur truc. Il est sur un podium, mais regardez, la misère, regardez. Tu sens la misère même dans sa vie. Regardez tête, regardez. Regardez comment il est, regardez. Regardez. Atia, tu ne vas jamais être en paix. Tu seras misérable comme ça toute ta vie parce que tu es méchant. Tu es foncièrement méchant. Même petite maison d'Abidjan, tu n'as pas. Toi, tu loues maison encore. Hein, des Bordeaux. Ils ont fait rébellion sur ton papa. Tu n'as jamais dit un petit mot comme ça en tant que quelqu'un qui est suivi par 1 million. C'est pourquoi depuis tu es arrêté à 1 million. Arafat même qui prenait tous tes fans là, il est parti. Mais tu es toujours arrêté à 1 million. Parce que les gens même pour s'abonner même ils ne veulent pas. Ils sont allés donner les mêmes deux. Arafat avait 2 millions 6 000 et 600 000 et puis il est mort. À ce moment Chenet était dans les 500 000. Il s'est débrouillé un peu. Dès qu'Arafat, eux tous sont partis chez Chenet. Lui au moins il fait musique et puis il s'arrête là. Il fait musique et puis il s'arrête là. Si on l'a invité, il peut aller chanter un peu, prester, on lui donne un peu. Mais mettre sa bouche dans politique comme ça là. Et puis soutenir le contraire de ce que le peuple de Côte d'Ivoire qui souffre déjà. Ce que le peuple de Côte d'Ivoire soutient là. Il n'est pas dedans. Ils ne sont pas dedans. Les safarels au biang là. Toi tu vas voir safarels au biang en train de faire des bêtises comme ça. Lui il chante, il danse. C'est un chorégraphe, il fait son truc. C'est un business. Est-ce qu'il est là pour changer photo de profil, mettre Draman Ouattara? Pourquoi j'ai montré ça? Parce qu'on va défiler maintenant. On va défiler dans ces photos. On va défiler un peu. Ou bien peut-être que c'est un autre compte. Mais c'est un monsieur qui a quémandé. Quémandé. Il a quémandé. Non, ça c'est photo de show couverture. J'ai dit profil. Voilà, profil. Voilà, profil. Vous allez voir. Peut-être qu'il a supprimé. Vous allez voir. Vous allez voir, tchop. Il a sans doute supprimé. Voilà, il a supprimé. Ce monsieur, regardez, il n'est même pas, il supprime. C'est ça, tu es un lâche même. Il a changé sa photo de profil avec la photo de Draman, avec la photo de Madame Fatagbe. Plusieurs fois comme ça, ils ne l'ont jamais appelé à la présidence. Tu connais ce que. C'est ça, moi, je dis à Johnny Pacheco. Je dis, regardez ces bêtes là. Johnny Pacheco, de Bordeaux. Et qui encore, Naounou Gouza, Draman ne vous voit pas. Lui qui a l'air, on dirait Polo Togro là. Comment il s'appelle même? Le gars là. Gros bête qui vient commenter sous mes posts là. Comment il s'appelle même? Il y a un gars qui fait vidéo, un vieux politicien. Depuis on était petit, il dit fait politique là. Et puis il n'est pas arrivé quelque part. Comment il s'appelle même? Zasso en global. Tout ce groupe là, il ne vous voit pas. C'est pourquoi mon petit frère Djadja Rémi. Il a compris très tôt, il s'est cherché. Bon, il paraît qu'il a eu problème avec sa femme maintenant. Il s'est cherché avec sa famille. Il a parlé de Russie jusqu'à... Bon, comme il a eu problème avec sa femme, il s'est calmé un peu. Il a pu parler de Draman. Parce qu'il les a compris. Il comprend. Draman Ouattara.
ne voit pas où. Vous allez mentir. Voilà l'autre là. Elle a fait comme elle dit jusqu'à elle est devenue mashallah. Excusez-moi pour les musulmans, je ne suis pas en train de parler mal de choses. Mais elle a fait ça pour aller manger leur argent. Elle a fait jusqu'à. Elle a eu émission. C'est tout ce qu'elle a eu. Mais pour dire, elle va aller à la présidence, comme Gbagbo recevait tout le monde, tous les artistes là. Draman ne vous connaît pas. Toi, dans la fête d'élection, tu as venu mettre ta gueule dedans. Il a supprimé. Pourquoi tu supprimes? Pourquoi tu supprimes? C'est ton compte officiel là qu'elle a. Voilà ton compte officiel. Pourquoi tu as supprimé les photos de Fata Gbagbo que tu avais mis là? Il avait changé sa photo de couverture. Il a mis photo de Draman Ouattara pendant plus d'un an. Il a même fait des directs. Au nom de Draman. Draman, là, quand je vais venir à la présidence, je dis. Draman n'a pas calculé. Vous n'avez pas me dire que Draman n'est pas au courant. Il est au courant. Ses partisans sont au courant. Ses ministres sont au courant. Que Debodo fait vidéo sur lui. Mais il ne vous a jamais calculé. Johnny Pacheco va faire vidéo jusqu'à cheveux blancs va poser sur sa tête. Il ne va jamais le recevoir. Jamais pour dire même bras dans bras pour le saluer. Il ne va jamais faire ça. Parce que Johnny était un militaire. Johnny Pacheco là, c'était un commando. Et dans la crise là, il a combattu la rébellion. Il le sait. Vous pensez que Draman il est dans la plaisanterie. C'est vous qui êtes dans les bêtisiers. Lui vous attend au tournant. Faut déconner un jour. Si tu n'es pas mis en prison, c'est là que tu as compris qui il est. Toi, tu n'es pas politicien. Quelque chose qui s'est passé en politique. Tu quittes là-bas. Tu mets ta bouche dedans. Toi, tu penses que Big Togo peut gagner devant. Michel Babou, vous êtes sérieux là? Monsieur Alexis dit qu'il veut l'argent. Mais c'est pourquoi je dis que l'argent qu'il veut, là, il ne va pas avoir. Draman ne va pas te donner cet argent-là. Jusqu'à présent, tu loues maison. Puis c'est dans la même maison il est. Il loue maison. Lui qui roulait dans les vrais Mercedes, dans les vrais Range Rover, ça est où? Regardez voiture, il roule dedans. On dirait ma vieille Ford qui est couchée là-bas. Là. Parce que par le plafond de la voiture, on peut connaître quel genre de voiture tu roules. Hein. Regardez voiture, il roule. Attends, il y a enlevé même sa vieille voix de... Regardez voiture, il roule. Regardez dedans. Regardez où on attrape là. Vous voyez où on attrape là, non? Voilà. Tu sais que c'est du n'importe quoi. C'est pas lui qui roulait dans les AMG ici. C'est pas lui qui roulait dans les AMG. Ça y est où il a tout vendu. C'est chaud sur lui. Faut pas locataire va mettre son drap dehors. Il a vendu tout. Misère va le tuer. Parce que tu as vendu ton âme de Bordeaux. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas un bon grain. Tu n'es pas tu n'es pas bien. C'est pourquoi Dieu ne te bénit pas, cher frère. Dieu ne te bénit pas. Parce que tu es maudit. Tu es mauvais, de Bordeaux. Tu sais très bien quelle élection là, ils ont triché. Mais par exemple, tu veux l'argent de Draman Ouattara. Tu fais des vidéos contre le parti politique de ton père. Le parti politique de ton père. Gbagbo Laurent recevait tous les artistes à la présidence. Il y a même des photos. J'ai des photos avec lui où il était au milieu des comédiens. Tu as vu Draman faire ça? Draman vous a déjà reçu. Toi-même, tu es là. Draman t'a déjà reçu. Il te laisse. Et puis c'est Makoso qui reçoit. Ça te dit rien? Toi, de Bordeaux, Likoufa, tu as chanté depuis combien? On ne connaissait même pas Makoso. Makoso passait même pas la télévision. Toi, tu chantais déjà. Makoso qui dit aux femmes, aux filles, baissez les pasteurs, mouroussez-les. Dépravation de mœurs. Draman a reçu un jour ici. Au nom des soi-disant pasteurs. Toi, tu n'as jamais mis tes pieds même à la présidence. Si c'est trop, c'est Fata Gbagbo. On dirait que tu as déjà pris photo avec Fata Gbagbo. On dirait. Tu as parlé pour lui, les vont te donner combien? Ça va t'enlever quoi? Même si tu te donnes 10 millions, ça ne peut pas changer ta vie. Mais si tu te donnes 100 millions, ça ne va pas changer ta vie. Parce que tu es maudit. Tu n'es pas patriote de Bordeaux. Tu n'es pas patriote. Toi, tu es mieux que Serge Kassi. Toi, tu chantes que Serge Kassi. Toi, de Bordeaux, tu chantes que Serge Kassi. Toi, tu es artiste. À part Gris, tu dis, aïe, 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 aïe. Et puis les arrangements. Toi, tu peux faire test. Toi, tu peux créer un concept. Cabrimo n'a pas peur de couteau. Toi, tu peux créer ce genre de concept là. Des choses qu'on n'a jamais entendues. Tout ce que vous chantez là, c'est l'autre là qui vous a donné ça avant de mourir. Doux Saga. C'est Doux Saga qui vous a donné Grikata, Grikata. Vous avez des concepts. Toi, tu as concept comme les Serge Kassi. Mais Serge Kassi a passé 12 ans de sa vie derrière
derrière l'eau, indépendamment de sa volonté, à cause de son patriotisme. Dans les 12 ans, tu sais combien d'argent Serge Kassi pouvait ramasser dans son affaire d'artiste? S'il ne voulait pas faire, il voulait pas se battre pour son pays, qu'il voulait faire sortir les albums seulement et ne pas regarder quelque part. Serge Kassi était aujourd'hui milliardaire. Parce qu'après Alpha Blondie, c'est Serge Kassi. Tout le monde sait ça. C'est quand Serge Kassi a disparu de la scène musicale que Tikenja a pris sa place. Sinon, dans le classement, c'est Serge Kassi. C'est un créateur. Mon gars, il chante. Et puis, il n'est pas pressé. Son style est lent comme ça, bien doux comme ça, bien créé. Papato, voilà un là-bas au gros nez. Et Papato, voilà des artistes qui créent des concepts. Toi, tu es là. Toutes tes chansons se ressemblent. Jusqu'à ce que tu n'es pas arrivé quelque part. Tu n'as pas de concept. Tu vaux rien. Tu es nul. Et ça, toute la Côte d'Ivoire le sait. Que ce soit les pros Ado, les pros Gbagbo, les pros Bédier, les pros Soro, les pros Ya, même les pros plus Herman le Patriote, les pros Herman, tout le monde sait que tu es nul. C'est pourquoi tu fais un seul chant. Moi-même, je suis venu dans l'affaire de politique il n'y a pas longtemps, là, j'ai créé une chanson pour le Niger. Imagine que mon chant, là, imagine on arrange, ça drape tous tes chants. Là. Je chante mieux que toi. Je suis un concepteur, un créateur pour le Niger. Aïe, pour le Niger. T'as vu chanter ça? Maudit là. Si c'est pas l'arrangeur là qui t'a fait ici, c'est pourquoi il t'a abandonné. T'es maudit là même là. Le jeune chrétien qui est arrangeur là, maintenant il est devenu chrétien, non, Dieu merci. Comment il s'appelle là même? Comme c'est pas mon domaine, je vois les visages mais j'oublie un peu. Comment il s'appelle là? L'arrangeur là. T'es maudit. Arrive à moi, il dit, il t'a arrangé plus. Il t'a abandonné quoi? Tu es parti vers un autre petit arrangeur. Ton mot diable maître de tu de Bordeaux, c'est moi qui te dis ça. C'est l'argent de ça là que toi tu vas faire quoi ça? Même moi-même dans mes petits points de vue là, ils sont venus me voir. Il y a plein de rebelles qui m'ont vu. Il y a d'autres qui sont bloqués, il y a d'autres qui ne répondent pas. Comme il est beaucoup, sa manière de parler me plaît, puis il était très bon, je n'ai pas envie de le bloquer, peut-être qu'un jour, je peux avoir besoin de lui, on ne sait jamais. Pas pour manger leur argent, mais le jour si tu as pétré. Il faut qu'elle soit capable de l'appeler. Donc lui, il n'est pas encore bloqué. Si il y a plein, il est bloqué. Il y a plein qui sont venus me draguer comme ça. Ah tiens, c'est comment? Qu'il faut laisser aventure là, tiens. Il faut parler pour nous, tiens. On peut te bé. J'écoute même, j'ai froid dans le dos. Ça dit, quand il attend la proposition, c'est comme si on me pique couteau dans le dos. Tellement il ne s'est pas prêt pour eux. Il est blessé, bloqué en tas. Beaucoup. Allez-y demander ça parce que vous ne causez pas avec lui. Vous savez les propositions qu'on fait au Hervé JJ? La proposition qu'on fait à lui qu'il appelle mon petit. Bah, je pense que je suis un peu âgé que lui. Je pense bien, moi je parais jeune, mais je suis aussi un vieux. Hein. Comment il s'appelle le gars là, Bambo Kone. Mais c'est des propositions qu'on fait aussi des activistes. Mais les gens ne sont pas prêts pour leur pays et pour leurs convictions. Tu n'as pas de conviction, frère. Maintenant, si tu es devenu RADP, il faut faire politique en plein temps, quitter ici. Tu es artiste, ou bien tu es politicien. C'est même juste comme l'efféminé de Rastaman qui est à Paris, là, Yaka Yaka de Nyeneli. C'est le même groupe là. Il est businessman, il est blogueur, il est politicien. Et puis c'est pourquoi même leur page ne mousse même pas. Je viens d'arriver, elle est dépassée tous d'un nombre d'abonnés. Je vais les dépasser. Tout de suite, elle fait 100 000 abonnés. Tout de suite, là, vous allez voir. Ça fait un mois, 7 jours que je suis sur Facebook. Politiquement, 1 mois, 7 jours, on est à 80 000. La page est créée il n'y a pas longtemps, on est à 80 000. De Bordeaux. Vous n'avez pas. Il faut prendre un chemin. Vous êtes ici, on ne sait pas ce que vous cherchez. Tu es politicien, mais tu es artiste. Tu n'es pas artiste engagé. Et c'est pourquoi tu es misérable de Bordeaux. Et tu vas mourir misérable ici. Si c'est l'an des dramas, tu attends pour vivre heureux là. Tu vas mourir ici. Et puis toi, ton cadavre là, dur, hein, ta tête dure là. Il ne faut pas mettre dans le stade. Hein. Il ne faut pas passer comme après Arafat que c'est moi. Et puis on a été les dévancés du coupé décalé. Donc si il meurt, ils vont me mettre dans le stade. Tu as pissé à terre. C'est dans ta maison là, dans ton vieux garage où tu ne gardes plus tes voitures là. C'est là-bas qu'ils vont faire coucher ton petit cercueil là. On met devant dans ton quartier. Ils vont te pleurer comme un homme lambda du quartier. Arafat, ils l'ont mis dans le stade.
C'est à cause d'Ahmed Bakayoko, hein? Parce qu'il paraît qu'Ahmed Bakayoko Mugusa. Ahmed Bakayoko, il tapait dans l'anus d'Arafat. Alors, quand c'est dit la vérité ici, parce qu'on est arrivé à ce plus amusement. Vous jouez les plus maudits. On va parler maintenant comme les maudits. Ahmed Bakayoko, le doyen de franc-maçon en Côte d'Ivoire, il mangeait petit là. Voilà! Donc, c'est comme ça, il a accompagné Petit. Il paraît même que c'est lui qui a mis quelque chose dans l'âme de Petit. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans les choses. Il ne faut pas soutenir ton pays. Hein. Il faut soutenir les rebelles. Il ne faut pas soutenir ton pays. Hein. Il faut rester là seulement. Il faut parler. Oh, même chez moi, Gagnoua. Ah, donc tu viens de Gagnoua. Ah, donc tu es bêté. Mais non, c'est pas que tu t'es bêté. Oh. Ta tête tendrait une autre ethnie. Déjà, tu es bêté. Même chez nous, à Gagnoua, il n'a pas. Il dit, je suis en train d'écouter la maman qui m'a appelé pour m'expliquer. Parce que je n'ai regardé aucune de ses vidéos. Hein. On m'a expliqué. Je n'ai même pas le temps de les regarder. Parce que moi, je ne suis pas comme ça. Je n'aime pas. Ouh! Il a fait comme Kakou Philippe. Eh, pardon, pas Kakou Philippe. Kakou Séverin. Kakou Philippe, c'est un salaud. Lui, il dit si Babou rentre encore, il va déposer le micro. Mais il est toujours, d'après lui, prophète. Un maudit encore. Voilà, un autre maudit avec sa barbe blanche là. Il dit, les Jésus, mais depuis, il n'est pas encore monté au ciel. Il a fait comme Kakou Séverin. Ouh! Ouh! De Bordeaux. Tu es misérable, Tia. Faut être garçon. Tchè, même si tu manges garba, c'est pas grave. Faut manger ton garba. Faut être garçon. Tchè! Tu es trop méchant. Tu sais très bien que c'est Michel Babou qui a gagné les élections. Et que tu es obligé de faire. Maman, quand écoutez la demande, dit maman, est-ce que vous pouvez couper le téléphone? Elle dit, mon petit, pourquoi? Elle dit, maman, je n'ai même plus envie d'entendre parler même de lui-même. Mais pour le respect que j'ai pour mon pays, et étant aussi membre du PPACI, il faut que je dise un mot. Parce que j'ai vu, même Hervé Djedje, j'ai vu, quand j'ai fait, on m'a envoyé mes notifications. Voilà, puisque on est abonné là. Voilà, donc j'ai vu aussi sa notification. J'ai pas regardé la vidéo, mais j'ai vu qu'il a parlé un peu de lui. Et ça, c'est PPACI France. Il faut que PPACI États-Unis donne sa voix. Et c'est parce que je vais aller doucement. Je vais doucement, parce qu'on est dans la soirée. Il est 17h11 minutes, 12 minutes maintenant. Non, ça veut dire chez vous, il est 1h du matin ou 2h du matin, je sais pas, mais il est très tard. Je vais pas trop crier dans l'oreille des gens. Sinon, j'allais le prendre comme ça. Et puis, j'allais faire gricata à son âme là. Un maudit comme ça, tu as échoué dans ta vie. Étoile bleue même que YouTube, Facebook a mis ça, c'est pas erreur, ils ont mis. Tu as échoué, tu as un échec de Bordeaux. Tu as un échec. Voilà l'autre là, baby, et l'autre là, comment il s'appelle? Le PD là, comment il s'appelle même? Vraiment, les amoureux de coupé décalé là, moi je dis les noms tels qu'ils sont. Hein. Le gars là, lui qui remue ses fesses, on dirait un PD là, comment il s'appelle même? Comme il s'appelle là, la Rajah Pointinini. Oh, il est quelle heure? Il est 1h du matin quelque part, ok. Comme il s'appelle là, lui là, il vient d'arriver il n'y a pas longtemps, de Bordeaux. Tu as commencé avant lui là. C'est lui-même qui vous a arrangé. J'oublie son nom, lui qui est venu faire son vrai femme là. Puis il n'a même pas honte. Comme il s'appelle là, donne-moi son nom là. Beno, voilà. Beno. Un vrai PD de chez les PD. Beno a commencé à chanter il n'y a pas longtemps. Hein. Toi, de Bordeaux, tu chantais depuis. Beno a pris que toi. Il t'a dépassé. Serge Beno t'a dépassé. Ariel t'a dépassé. Tous les petits là t'ont dépassé. Même l'autre arrangeur là, lui là, l'arrangeur de Bordeaux, l'arrangeur là, comment il s'appelle même? Il y a un gars là, un autre arrangeur que j'aime bien là. Je ne l'écoute pas, mais je l'apprécie en tant qu'être humain. Comment il s'appelle là? Donne-moi leur nom là, je ne connais pas leur nom. L'arrangeur là, qui chante, il a même des chansons en amoureux, chansons amoureux, quand tu écoutes même, un jour je suis tombé dessus, ça m'a plu un peu, mais bon, il dit je n'écoute pas. Il y a un arrangeur qui est un peu musclé là, oh, comment il s'appelle? Donne-moi le nom là, hein, qui était ici. Il a même été baptisé là. C'est pas Serge Benoît, on a fini avec lui. Oh, il dit c'est PD. Parlons de l'autre là. Il aime porter les petits verres comme ça. Vous voyez, je ne connais pas leur nom, mais son visage est là comme ça.
Il a, des, il a même chanté à faire de Dieu, je crois. Aïe, mais pourquoi depuis là, c'est Serge Benoît, les gens commentent? On a fini avec Serge Benoît il y a longtemps. On met le direct, il est indifféré. Bon, je vais laisser, il vais vous laisser finir de répondre pour Serge Benoît. Merci, Baby Philippe. Ah, on a le direct, mais il n'est pas en direct. Parce que je pose question depuis et c'est maintenant les gens répondent. Baby Philippe. Baby Philippe, là, il ne chantait même pas. Lui, il arrangeait seulement. C'est lui qui a arrangé Arafat. Il a arrangé. Toi-même, il t'a arrangé. Dès qu'il a commencé à chanter, pouf, il t'a dépassé. Les mix, tout cela, ils t'ont dépassé. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parce que tu es mauvais. Pas politiquement seulement. Pas parce que tu ne nous soutiens pas. Nous, on souffre. Toi, tu ne nous soutiens pas. Tu veux manger seulement. Ce n'est pas grave. Faut manger. Mais les bébés Philippe, les Miss Premier, les... Ceux-là, ils ont commencé après. Tu as échoué. Quand ils ont forcé. Il y a l'autre là qui chantait Grippe aviaire. Quand il a vu que ça n'a pas moussé, il est venu faire son truc comme nous ici. Il a voyagé. Il est venu s'asseoir aux États-Unis ici pour travailler. Quand ça n'a pas marché, faut travailler. Tu ne travailles pas. Tu es mauvais. Ton truc artistique là, ça ne marche pas. Il faut aller travailler. Il faut travailler dans McDo. Va travailler dans fast-food comme nous autres. Bon, j'ai travaillé là-bas, mais je ne travaille plus là-bas. Même petit Apoutchou qui vient d'arriver là, il t'a dépassé. Pas dans la chanson, mais dans la vie. Puisque Apoutchou, pour moi, il ne chante rien. Ça, il faut dire la vérité. C'est du n'importe quoi tout ça là. Des conneries seulement. Et la Côte d'Ivoire aime ces gens de bêtisiers là. Je suis désolé de le dire. Je ne suis pas venu vous faire plaisir à quelqu'un ici. Mais je veux dire, dans la vie même là, Apoutchou brille que toi. Petit là, il brille que toi. Petit qui fait vidéo, il fait vidéo seulement. Toi, tu fais clip avec des fesses dedans. On te donne des millions de vues sur ta voix nulle part. Et puis, tu es paresseux. Tu fais vidéo chaque 5, tu fais chanson chaque 5 ans. Qui va s'abonner à ta page? Qui va te respecter? Tu n'as pas vu ton petit frère Arafat? Même si je ne suis pas dans ce domaine. Mais Arafat a aligné les trucs ici. Tu es là, tu es paresseux. Tu vaux rien. Tu ne vaux rien de Bordeaux. Donc il faut laisser PPA se tranquille. Bah bon, Laurent, là, t'as pas empêché de réussir. Hein. Parce que vous les bêtez là, vos sorcelleries là. Vous mettez ça sur les autres qui ont réussi. Vous êtes trop monstre même, vous les bêtez là. Vous êtes mauvais, maudit même, tout, vous les bêtez. Ouais, ouais. Vous êtes trop mauvais. Après, nos frères qui ont pris les âmes là, c'est vous. C'est l'ethnie à craindre à Côte d'Ivoire, c'est vous. Bah vous empêchez de réussir. Bagbo Laura a fait ses études, il a été docteur, il t'a empêché de réussir. Il a été professeur à l'université, il t'a empêché de réussir. Il a été président de la République, il t'a empêché de réussir. Pourquoi les bêtés là sont détestent comme ça le seul bêté qui a réussi? Pourquoi vous les détestez? Il vous a fait quoi? Tu es PPACI, c'est ton problème? Tu es de quel parti politique même, de Bordeaux? Tu as la chance qu'il fait tard, il est minuit, 1h du matin. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de personnes en ligne. C'est pourquoi il voit 1900 personnes en ligne. Tu as la chance. Mais je vais plus refaire un autre direct parce que tu n'as pas trop d'importance. Bagbo Laura a mal fait d'être bêté. Tous les bêtés qui ont émergé un peu, vous le détestez. Mais pourquoi? Voilà Blégoudé. C'est pas lui qui disait son ami a été allaité au sein politique de Bagbo Laura. Lui-même, il a été allaité où? Au sein politique des singes ou quoi? Mais aujourd'hui, il est devenu l'ennemi numéro 1 de Gbagbo Laurent. Attends, c'est Gbagbo qui l'a fait connaître. Lui aussi, il est bêté. Toi, tu es bêté. Rachel Crasso est bêté. Celle qui a tourné film, un homme, une vision, avec son front, on dirait quoi, la mamie Ouattara, elle aussi, elle est bêté. Nanou Gouza, avec ses épaules carrées, on dirait Robocop, là, elle aussi, elle est bêté. Zasso en global, son visage vaste comme ça, on dirait un champ d'Amazon. Là. Lui aussi, il est bêté. Mais il y a quoi? Bagbo vous a fait quoi? C'est Bagbo qui vous a empêché de réussir. Il s'est battu pour être celui qu'il est. Battez-vous aussi dans la vie. Bagbo, il est humain. C'est pourquoi Dieu lui donne la longévité. Et c'est pourquoi Dieu l'a protégé, n'est pas mort dans la crise. Il a dirigé un an seulement, mais les Ivoiriens sont fans de lui. Fatigué, fini, Draman le sait. Pourquoi il a enlevé son nom sur la liste électorale? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Eux-mêmes sont des fraudeurs, des tricheurs, mais ils ont peur quand même.
Parce que Gbagbo là, c'est un être humain. Il est humain, il est gentil. Gbagbo, c'est lui qui a fait d'Assalfo ivoirien. Mais Assalfo a choisi le côté de la rébellion. C'est Gbagbo qui a donné nationalité ivoirienne à Assalfo. C'est un bouki, tout le monde le sait. Mais comme Assalfo a rendu service à la Côte d'Ivoire avec son chant qui a moussé, et Gbagbo, on fouille dans le dossier, c'est un Burkinabé. Mais il aime la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire l'a adopté. Il a appelé pour dire, petit, on va te donner le passeport là, ça fait quoi? Faut prendre le passeport là. Comme ça, tu as voyagé à l'aise, tu as voyagé avec le nom de la Côte d'Ivoire. Sinon, c'était un galéré. Tellement il était galéré, il a chanté chanson dessus. C'est dans ma galère que la gola tout m'a touillé. Oh, ah, nyangana, nyangana, wa. Dans ma galère veut le tuer, il a chanté chanson de galère. Et c'est sa chanson de galère qu'il a révélée au peuple ivoirien. À ce moment, c'était les cassettes. Ils ont acheté ces cassettes par millions. Il a réussi dans la vie. Les gens veulent nous attaquer. Les gens attaquent celui qui a fait de lui ivoirien. Lui, il se met du côté des rebelles. Jusqu'à aujourd'hui, il est avec eux. Il est à l'aise. Avec sa tête chauve, là, dure. Là. Mais vous allez le payer un à un. Connaissez Idou, Alpha Blondie. C'est pas pour Paul Laurent, c'est pas à la présidente, il partait. Les gens disaient qu'il était fou. Mais lui, même quand tu le vois, on dirait un fou. Vrai, même, il était presque fou même. On disait qu'il était fou. Pour laver l'image de Kone Seydou. Lui qui est bêté, hein, il appelait Kone Seydou à la télévision, à la présidence. Il appelait la RTI. Il dit, filmez-nous, on va faire une émission. Et puis il a dit aux gens, lui, il n'est pas fou. Hein. Alpha Blondie n'est pas fou. Hein. C'est un bon gars. Il fait semblant, mais il n'est pas fou. Il a lavé ton image. Quand lui, il s'est retrouvé à la CPI, et qu'il a dit, on met un E à la fin de Madame la Présidente. Donc, Kone Seydou, en plein concert, devant les plans, il dit, Babou est devenu fou. Babo qui t'a lavé hier, quand on te traitait de fou, c'est toi qui l'as traité de fou aujourd'hui. Mais ce qu'il a dit hier, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Les coups d'état partout dans la sous-région. Parce qu'il a refusé d'être une marionnette. Donc on connaît l'histoire de notre pays, chers camarades. De Bordeaux, ça là, ça ne va rien t'apporter. Je vais fouiller sur sa maudite page, où est la vidéo qu'il a faite là, mais voilà. Voilà ça, il a partagé la vidéo. Vous voyez, ça fait pitié, regardez. Voici l'autre là qui est assis ici. Big Togo, vous voyez? Voilà. Vous voyez? Vous voyez? Il a partagé la joie. Qui t'a donné la vidéo de Big Togo? Dont tu manges avec eux. Mais pourquoi tu n'es pas garçon? Il faut déclarer en même temps au peuple de Côte d'Ivoire que tu es RHDP. Ben, ce que tu fais, on appelle ça Nkou Nkou. Ça ne marche pas avec l'Ivoirien. L'ivoirien aime celui qui est clair dans sa vie. Il faut être clair comme les Assalfo là. Eux ils sont clair. Tout le monde sait qu'ils sont au RHDP. Il y a son visage touffu là. Il a chanté laissez-moi vivre ma vie. Noël Douré. Lui aussi on dit il est pété. Il a quitté le bac. Il dit il est RHDP. Est-ce que le ciel est tombé sur la Côte d'Ivoire? Donc il faut choisir ton camp. Tu fais comme si tu n'es pas politique, mais tu es politique. La vidéo où Big Togo est assis dans son salon, qui t'a envoyé? Si ce n'est pas par WhatsApp, il t'a envoyé. Tu vas enlever vidéo, cela où? Parce qu'il était en train de regarder la proclamation des résultats et on les filmait. Et quand ça a marché, ils ont commencé à fêter dans son salon et ils t'ont parvenu ça. Ils t'ont fait parvenir ça pour que tu puisses balancer tout ça sur ta page. Parce que quoi, il t'a donné 5 millions, 10 millions. Ça ne peut pas effacer la misère que tu es. L'argent ne règle pas tout, hein. Regarde Gbagbo Laurent. Il n'a pas l'argent, mais il est aimé en Côte d'Ivoire. Les juges disent, mais on fait comment? Il faut que tu payes tes avocats. Il dit, mais il a payé avocat comment? Je n'ai pas l'argent. Il dit, quoi? Président, pendant 10 ans, tu n'as pas l'argent. Il dit, mon compte, mon seul compte, c'est à Cocody. On dit, non, et en Suisse. Il dit, allez-y fouiller. Tout ce que vous allez trouver là, prenez cadeau. Les gens ont fouillé dans tous les comptes en Suisse, partout dans le monde. Ils n'ont pas vu un seul compte qui pourrait appartenir à Gbagbo Laurent. Un compte bourré de sa femme, de sa fille, de son ami, de son conjoint. Ils n'ont rien trouvé. Et c'est la CPI elle-même qui a payé ses avocats. C'est son Dieu un homme d'honneur, mon frère. C'est son Dieu un homme d'honneur. Gbagbo n'est pas ton camarade. Il ne faut pas le détester. Il faut regarder son exemple pour que tu puisses sortir de l'eau un jour. Parce que moi personnellement, tu me fais pitié. Si j'étais dans votre clan de trucs, là, j'allais être mal te clasher. Mais je ne suis pas dedans. Je suis venu dans le panafricanisme pour soutenir mon peuple, le peuple africain. Lui, là, il va te donner combien? Il ne peut même pas te donner 1 milliard. C'est un multimilliardaire, hein, mais il ne va jamais te donner. Si tu as trop donné, c'est 5 millions.
pour ton soutien camouflé là. Il va te donner 5 millions. Ou même 2 millions, 3 millions parce que tu es misérable. Moi, Big Togo va m'appeler pour me proposer 5 millions. Mais il y a même coup de poing dans son boîtier. Tu vois donc comment il me prend au sérieux de Bordeaux. Seul Dieu connaît la vérité. Lui, il ne peut pas te donner 10 millions. Parce que les gens même ne te considèrent pas en Côte d'Ivoire. Si tu as trop donné ces 5 millions pour ton petit soutien que tu as apporté là. Et c'est parti encore. Ils vont faire 5 ans encore. Dans 5 ans encore, il va te donner 5 millions encore. Petit maudit là. Vieux maudit là. Faut laisser PPA essayer tranquille. Hein? Babo n'est pas ton ennemi. Il ne te connaît même pas. Babo n'est pas ton ennemi. Tu fais un état à mourir avant lui. Oh. Faut rester là seulement. Toutes les personnes qui le détestent pour rien là, eux ils meurent avant lui. Hein? Tu n'as pas remarqué? Tu n'as pas remarqué? Ah d'accord. Faut bien remarquer. Toutes les personnes qui l'ont détesté pour rien là, les gens meurent avant lui. Ou même d'autres le vont en exil avant lui. Il y a un qui a écrit le livre là. Depuis il est dans le pays des Blancs, il se promène seulement. Il est erré. Il est là, erré ça et là. On ne sait pas ce qu'il cherche. Il ne peut plus rater dans son pays. En fait, c'est lui qui est insulté. Pourquoi ici matin, midi, soir? Il y a un qui a fait cercueil même. Il a écrit le nom de Gbagbo dessus. Prison va le tuer. Il attend de mourir un peu, un peu. Il y a un même qui a dit si il était vraiment à terre, il allait le tuer. Lui aujourd'hui, il est devenu squelette. À l'hôtel du golf, là où ils l'ont mis là, tous ceux qui étaient autour de lui, là, beaucoup sont morts dedans. Sable Bleu est parti. Ahmed Bakayoko est parti. Amadou Gon est parti. Faut rester là, hein. Faut les détester pour rien. Parce que tu fais tout ça à cause de lui. Jean, il est devenu président, il t'a pas nommé ministre. Mais toi, tu parles quel bon français pour te nommer ministre. Tu es à niveau CE2. Qui va te nommer ministre? Qui va te nommer ministre? Tu as fait quoi pour lui? Tu as fait quoi pour lui? Rien. En pleine guerre, les rebelles nous tuent. Toi, tu avais disparu. Tu ne pouvais même pas faire une vidéo comme ça. Peureux là, tu as disparu. C'est quand Draman est venu au pouvoir que tu as fait ton premier direct. Même moi-même, j'ai regardé ton premier direct. Ça, c'est moi, je n'ai pas menti. Ton premier direct. Tu ne savais même pas comment on retourne la caméra. Tu étais gaou comme ça. Ah, mais comment on fait le direct? Et puis tu chocossais. Pourquoi tu ne chocosses plus? Au départ, là, tu chocossais. Et il m'a dit, moi, je n'aime pas ça. Hein, tu cherches. Hein. Tu dis, hey, c'est qui lui là? On dit, c'est de Bordeaux. Il dit, quoi? Le même de Bordeaux là. Il était encore à Abidjan. On dit, oui, oh, c'est de Bordeaux. C'est son premier direct. Il dit, mais pourquoi il parle comme ça? On dit, ah, c'est comme ça, il parle maintenant, il choque. Galette a frappé, boum, tu choques plus. Pourquoi tu choques plus? Faut choquer. Au départ, là, tu parlais comme les Benguis. Maintenant, tu parles comme vrai Africain. Bah, galère est rentrée dans ta gorge. Maudit, là. Faut attaquer PPAC encore, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Faut nous laisser tranquille. Nous, on se bat pour notre pays. Faut nous laisser tranquille. Faut nous laisser tranquille, pardon. Si tu es membre du RADP, faut te déclarer clair comme les autres. Comme ça, on sait que tu es membre du RADP, on va te traiter comme tel. Mais faut nous laisser tranquille. Faut faire comme Blé Goudé. Blé Goudé dit qu'il n'est pas avec nous. Il dit qu'il n'a pas été dans l'ensemble, il ne veut pas être dans le sous-ensemble. On a compris. L'avenir nous le dira. Ce n'est pas lui qui se promène partout là. S'il n'est pas en France, il est en Angleterre. S'il n'est pas en Angleterre, il est à Quibli. S'il n'est pas éleveur de moutons, il fait champ de maïs. Voilà toute sa politique qu'il a fait. Il a crié ici à la CPI. Madame la présidente. Je sais que je retournerai en Côte d'Ivoire. Je sais que je retournerai chez moi. Parce que dans ma famille, on me traque. Ma famille, mes enfants. Moi, la présidence, laissez-moi rentrer pour que j'aille faire ce que j'ai continué. Pour que j'aille me battre pour mon peuple, pour mon pays. Je refuse que mon nom soit dans la poubelle de l'histoire, madame la présidente. Aujourd'hui, lui-même est dans la poubelle. C'est même pas son nom qui est dans la poubelle. C'est lui-même qui est dans la poubelle. Regardez sur la toile. Qui parle de Blé Goudé? Personne. Aucun cyberactiviste ne peut. Personne ne parle de lui maintenant. Il est tombé. Ça, c'est fini, ça. Il représente quoi en Afrique et en Côte d'Ivoire? Rien. Personne ne parle de lui. Aucun cyberactiviste ne... Personne, quelles que soient les déclarations qu'il va faire, les gens ont commencé à l'ignorer. Même moi-même qui l'attaquais, là, j'ai commencé à l'ignorer. Il a fait déclaration à Paris. Qui a parlé de ça? C'est son ancien amoureux. Son ancien amoureux qu'on appelle Kone Tidiane. C'est lui seul qui a fait vidéo pour parler de lui, hein, à ma connaissance. Sinon, nous, les cyberactivistes en vogue, là. Moi, mais aussi un peu en vogue. Hein. Tiens, qui va se négliger? Il est presque 2h du matin. Il y a toujours 1900 questions qui traînent là. C'est pas tout le monde qui fait ça, hein, à 2h du matin. Pour quelqu'un qui n'était pas sur Facebook. Juste sur Facebook, ça fait même pas encore 2 mois. Imagine, dans 1 an, 2 ans, combien de vues on va faire? Maudit, là. Parce qu'on est dans la vérité. Quand tu es vrai, là, c'est naturel. Les gens aiment ton affaire naturellement. De Bordeaux, tu n'es pas vrai. Si tu es RDA, faut dire clairement que je suis RDA.
Va prendre ta carte de militant. Faut laisser chanson. Va faire politique. Mais tu fais comme si tu es artiste. Tu es RDN en sourd. Tu es sournois. Tu es dans la sourdine. Tu es... Je ne sais pas quel français j'ai parlé pour ce maudit là. Un garçon, ça s'assume. Johnny Pacheco, il dit que Papa Laurent, il est devenu... Comment on appelle ça? Il est devenu... témoin contre moi. Donc, je ne soutiens plus Papa Laurent. Il est rentré au RADP. Le lendemain, il a porté le t-shirt de RADP. Jusqu'à présent, il est dans le RADP. On ne le calcule pas, mais il est dedans quand même. Parce qu'il ne peut plus faire... Il va faire macharé, il va partir où ça? Il va faire macharé, il va partir où? S'il rentre au PPACI, il va le recevoir, mais il sera à la queue leu. Il ne pourra même pas être nommé comme nous autres. Pas être de Bordeaux. Quand tu es sérieux, on te prend au sérieux. Quand tu es sérieux, on te prend au sérieux. Il y a une petite nomination. Une petite nomination. Mon nom est dans le fichier, dans les fichiers, dans les ordinateurs du PPACI. Des bonnets. Mon nom est là-bas. Et que toi, tu me... Peut-être que tu vas voir la vidéo. Peut-être que tu vas la voir. On ne sait jamais. Et que tu me connaissais. Je n'ai jamais été dans la politique. Je viens d'arriver à tout près là, on m'a déjà nommé. Au clair. Ça veut dire demain quand le pays là va nous revenir là. Nous on va passer et puis les commandos vont déblayer les gens. Et toi le vieux artiste là, tu vas passer inaperçu comme ça. C'est Gal qui va pousser sur toi. Parce que tu n'es pas bon. Tu n'as pas servi le pays lorsqu'on avait besoin de toi. Lorsqu'on avait besoin de toi. Maudit là. Cher camarade, il ne faut pas y être trop débordé comme lui. Ça m'énerve là. Regardez, il a posté encore. Regardez, il fait pitié. Regardez. 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 Il a posté. Voilà. Il a posté. Il ne fait que... Et puis il met des tests. Il poste, il met des tests. Et des tests remplis de fautes comme ça. Il a posté. Voilà. Voilà Obiang encore qui est rentré dedans. Voilà. Voilà, voilà Obiang ici. Obiang a posté. Voilà. Voilà. Ils sont tous chez Big Togo, hein, Loasi. Lui-même, il a parlé bien de lui là, mais lui-même, c'est gâté. Loasi ici, il a posté. Il est allé chez Big Togo pour manger l'argent. Mais lui, c'est un petit, c'est un enfant. C'est mon petit frère fatigué, fini que lui, c'est un petit. Mais toi, tu es un vieux comme nous autres. Toi, là, tu as presque 50 ans. Donc, tu es vieux que moi, fatigué, fini. C'est l'argent qui vous intéresse. C'est l'argent qui vous intéresse. C'est pourquoi vous faites tout ça, là, à cause de l'argent. L'argent du sang. Ça va vous apporter, ça va vous envoyer où? Ça va vous apporter quoi? Regardez, il a posté. Regardez-y. Il a posté. Il se, tout ça. Et puis vous voyez dans les émoticônes. Il se moque du PPACI. Il poste, il rit. Il poste, il rit. Il poste, il rit. Il rit. Regardez ici, il attend de rire encore. Regardez. Il attend de rire. Il poste, il fait des posts et puis il rit. Il fait des posts, il rit. Aujourd'hui, tu ris. Mais demain, tu vas bien rire. Il faut nous faire confiance pour ça. Faut nous faire confiance pour ça. Aujourd'hui, tu entends de rire, mais demain, tu vas bien rire, de Bordeaux. Tu vas bien rire. C'est tout ce que je voulais ajouter. Faut rire seulement. Faut rire. Toute sa page est remplie de Big Togo. Toute sa page est remplie de Big Togo. Mais faut être politicien en même temps qu'il était ici. Ça fait pitié. Voilà, le voici. Il est parti chez lui. Le voici ici. Voilà Big Togo ici. Voilà des Bordeaux ici. Voilà. Tu vas voir même tu l'aimes pas. C'est son nom, tu aimes. Voilà l'autre là-bas encore. Comment il s'appelle là? Comment il s'appelle? Lui qui dit qu'il a souffert puis il a réussi dans sa vie là. Lui aussi là-bas. Comment il s'appelle même? Comment il s'appelle même? Ça dit tous les artistes de Côte d'Ivoire sont devenus des mendiants quoi. Lui qui a chanté les chansons, il dit non, j'ai réussi. Oh. Comment il s'appelle même? J'ai oublié son nom là. Comme ils appellent là, le jeune là. Il est là-bas aussi. Lui qui dit, j'ai réussi, oh. Bon, il ne connaît pas son chant là. Il dit, il était pauvre, et puis après, il a réussi là, un truc comme ça. Il est aussi là-bas. Tous les artistes de Côte d'Ivoire sont devenus des mendiants, tellement le pays est dur. Tellement le pays est dur. Kérosène, merci beaucoup, c'est le nom que je cherchais. Il est là-bas, je l'ai vu là-bas. Ils sont allés voir le monsieur. Et ça, c'est depuis le 26 août. C'est-à-dire avant les résultats, bien avant, ils étaient toujours derrière lui. En train de mendier.
Vous faites des petites vidéos pour lui donner cote. C'est-à-dire juste pour lui donner cote à Yopougon. J'ai vu encore dans un concert Didi B ou bien quoi là. Didi B ou bien quoi. Comment ça s'appelle même Didi B, non? Il y a un autre jeune artiste là, Bibi D. Ou bien Didi B. Il était avec lui à Yopougon. Il était en train de chanter pour lui. Ils sont en train de juste pour de l'argent. Tout le monde sait que c'est pour de l'argent. C'est parce que vous les aimez. C'est là que vous cherchez. C'est de l'argent que vous cherchez. Si c'est un autre événement qui n'a rien à voir avec la politique, moi je peux comprendre. C'est-à-dire, Big Togo a un événement, soit son enfant se marie, ou bien lui-même il se marie, ou bien il a un événement qui n'a rien à voir avec politique, avec élection. Moi, je peux comprendre. Vous partez chercher votre argent. Mais vous faites artiste politique. Ça, c'est plus artiste. Tout ce que vous faites là, c'est plus artiste. Il vous paye pour que vous puissiez être de son côté. Mais c'est politique que vous faites. Puisque ça, ce n'est pas un conseil. Aller chez le président de l'Assemblée nationale en pleine campagne, ce n'est pas un conseil. Vous êtes parti pour lui donner de la cote populaire, puisque vous avez des followers, vous avez des fanatiques. Donc vous partez, les gens vous filment, lui il prend les images et puis vous donne des millions. Ça, c'est pas artiste. Il a qu'à faire quelque chose, soit il a fait un truc de maracana, ou bien soit, je sais pas moi, il a fait quelque chose, vous venez prester, on peut comprendre. Mais aller chez lui comme ça là, ça c'est pas artiste. Toi, tu as venu ici, tu as pris A. Kelly, tu as fait politique. Toi, tu as déjà vu Donald Trump acheter les rappeurs ici, les artistes ici pour faire politique. Vous n'êtes pas des artistes. Un artiste, on doit t'inviter dans le cadre de ton art, pas dans le cadre politique. Vous n'êtes pas des politiciens. Même Gadji Sely. Toi, tu es artiste que Gadji Sely. Toi, Debordeaux, tu es artiste que Gadji Sely. Tu as vu Gadji Sely prester pour un candidat au PPACI, mais lui-même, il est. Babo Laurent, c'est son gars. Il a fait 12 ans de sa vie dehors à cause de Babo Laurent. Mais tu as vu Gadji Sely aller prester pour Michel Gbagbo, ou bien aller chez Michel Gbagbo, ils vont les filmer pour donner cote. Ils ne sont pas dans ça. Il est parti faire son conseil, il est sorti, il est allé s'asseoir chez lui. C'est un garçon. Toi, tu vas voir Joe Biden qui va prendre les artistes ici, mais ils vont lui parler mal. Ils vont dire, mais quoi? I'm no politician, man. Fuck you. C'est ce qu'ils vont lui dire pour donner d'eau. C'est ça, les garçons. Genre, faut venir chez moi, c'est moi, Joe Biden. Je vais devenir président. Viens chez moi, on prend une photo. Et puis, tu vas me donner cote. Il va lui parler mal, il va donner d'eau. Si tu veux m'inviter, tu m'invites dans un événement artistique. Pas pour que je te donne cote. Parce que tu veux faire politique et puis après, tu te fous de moi. C'est pourquoi vous êtes misérable, parce qu'il vous utilise. Il a gagné, non? On veut voir des vidéos d'ici 1 à 2 ans. On veut toujours voir des vidéos avec lui. Hein. Ça ne va plus exister. Même quand vous allez appeler pour dire, ah, VPS, c'est moi, Debordo. Il va dire, ah, Debordo, bon, je te rappelle. Et puis ça fait 1 an encore avant de t'appeler. C'est ça la réalité. Quand tu ne te prends pas au sérieux, on ne te calcule pas. Au-delà, la victoire est là. Donc dans la semaine qui vient là, tu peux toujours l'appeler, vous allez aller boire champagne, vous allez manger. Mais dans 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, c'est fini, il ne va même pas te regarder. Il va penser à sa vie de président. Parce qu'il veut devenir président aussi. Big Togo veut devenir président aussi. Il est déjà président de l'Assemblée nationale. C'est quoi qui manque? Il veut devenir président aussi. Donc il va commencer à dire, quand tu vas l'appeler, quand il va voir ton nom là, mais ça l'énerve. C'est que lui là même de Bordeaux. C'est comme ça, il va dire, oh, laissez-lui là-haut. Il a donné 15 millions là, ça ne lui suffit pas. C'est comme ça qu'il va parler dans sa famille, il va se moquer de toi comme ça. Quand tu vas venir les voir au départ là, ils vont bien t'accueillir. Quand tu as donné d'eau, ils vont se moquer de toi. Il y a ce vieux bété là. Il y a ce maudit là. Faut laisser le peuple assez tranquille. Hein. Faut nous laisser tranquille là où on est. Pardon. Si tu es RDR, va devenir RDR. Debordeaux, si tu es RDR, va devenir RDR. Prends ta carte. C'est un garçon. Prends ta carte. Faut faire comme Johnny. Prends ta carte. Faut militer pour eux. Faut nous laisser. Pardon. Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de narguer le peuple de Côte d'Ivoire. Puisque tu sais que la majorité. C'est pourquoi tu n'évolues pas. Parce que le peuple même ne te donne pas sa bénédiction. C'est ce que je voulais dire, chers camarades. Merci d'avoir suivi ce direct. Je suis Herman le Patriote. À bientôt.